Alors cette dame rose, elle aimait bien la musique, elle voyageait un petit peu partout et elle avait une philosophie. Quand la vie te dit de te taire, t'es du vent. Quand la vie te dit de porter du gris, porte du rose. Quand ils te virent de l'école, ne va pas à l'école. Quand tu veux plus écrire, parler ou lire, eh ben fais de la musique. Et comme je vous ai dit, pas comme Lollipop Girl dans les donjons, il n'existait pas, cette femme, elle portait une robe rose et elle habitait dans une maison avec une porte rose. Et ensuite, elle a voyagé autour du monde avec ce manifesto de faire de la musique, de provoquer de la joie, de métaboliser, de transformer nos peines et nos larmes en chant, en musique et en danse pour gérer mieux la vie. Et on a fait le tour du monde beaucoup de fois. Et cet été, on a retracé tellement des endroits comme ici. Ce soir, on était ensemble pendant deux concerts et on a revisité plein de gens qui connaissaient cette dame avec la robe rose. Et je suis tellement content que la seule chanson que j'ai écrite pour elle était une chanson complètement bitchy où je la critiquais, je la faisais chier. Parce que quand on veut écrire une chanson d'amour, comme avec sa philosophie, il faut faire l'inverse. Il faut presque taquiner la personne qu'on aime. Et donc cette chanson et ce concert ce soir et ces dates qui m'ont ramené tellement dans mes pensées et dans mon esprit est dédiée à la dame avec la porte rose, la robe rose, qui disait toujours de danser quand la vie te balance de la merde. Et cette dame, c'était ma mère. Mesdames et messieurs, la dame, avec la robe rose. Et au moins comme ça, si on danse, si on hurle, si on crie, on gâche pas notre vie.
Et danser avec nous.